Et salut les amis, c'est Armelin, on se retrouve sur Monster Hunter Rise, on va aller affronter un Arzuros. J'améliorais un petit peu mon armure avec le Lizuchi, mais je pense que il me faut des composants d'Arzuros pour continuer à crafter mon armure en fait. Hein. Il me faut des griffes acérées. Griffes acérées, ça fait penser à l'Arzuros, hein, je pense. Hein. Il m'en faut donc, voilà, il m'en faut deux déjà. Et ça me fera déjà deux pièces, et il me faudra encore une queue, donc... mais l'armure est pas mal du grand Izuchi quand même, hein. Maître d'armes 3, loup de guérison 2 à tête 1, c'est une armure qui me paraît quand même plutôt intéressante pour un bon début de jeu. On ira quand même voir l'armure de l'Arzuros, mais ça peut être intéressant. Du coup, partie détruite, pourquoi pas. Alors, quête de village, 2 étoiles, on va aller se faire un petit Arzuros. Allez, abus de poisson. Donc le gameplay au katana toujours très sympa, hein. On ira tester toutes les armes du jeu, de toute façon on fera des chasses surprises sur le jeu aussi, ça va être très intéressant. J'aime beaucoup le côté que le chien et tout, si tu peux monter dessus et guiser ton arme, le grappin, si tu te dis tiens je vais passer par là, tu traverses toute la map quoi. Alors l'Arzuros, si vous nous montrez un petit peu comment il pêche. Leaves a sluggish trail. Attempts to sate its hunger prove of no avail. It keeps eating more and more. And with every bite, it succumbs yet further to its destructive appetite. Un gros glouton quoi. Alors l'Arzuros, s'il vous fait une chope et que vous avez du miel, bah il ne vous fait pas trop de dégâts. Hein, il va... En plus il sera immobilisé parce qu'il va manger le miel en attendant. Je sais pas si j'en ai. Mais on va aller en choper quand même. C'est très pratique. C'est toujours ça de prix quoi on va dire. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une petite chope qui peut arriver. Du coup, il est dans la zone juste à côté, d'accord. On va monter sur le chien. Sur le chien, ça c'est fantastique. Allez hop. Alors, je regarde un petit peu la map. Il y a du miel juste à côté. Ça c'est pratique de pouvoir zoomer. Hein. Ce qui serait bien, ce serait de choper quand même le scaranèche qui est juste à côté là aussi. Alors, je grimpe. Est-ce qu'il peut grimper là? Non, il ne peut pas grimper ici. Ok, bon bah hop, j'y vais moi-même. Je sais qu'il y a un scaranèche juste ici. On zoome. Il est là. Voilà. Ça je prends comme les petits bonus comme ça, là les scaranèches, scarafoudre, etc. C'est très 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 fort par contre. Donc ça j'hésite pas à m'en servir quoi. Il y a encore du miel juste à côté. On va pouvoir y aller. Hop, attaque plus. On va ramasser ce petit truc là. Un petit phylloptère encore en plus. Et là on est pas mal. Donc là il est ralenti. Hein. Esquive réussie. On se barre un petit peu. Oh, la hitbox. Il m'a quand même touché alors j'étais sur le côté, d'accord. J'avoue, je m'y attendais pas. Il y a le coup de cul là. Ah, ça, j'en étais sûr. Une partie détruite. Le coup de cul, non? Ok. On va pouvoir faire un brise-casque en espérant que j'ai
Oui, il est passé. Non, je regarde un petit peu. Ah ok, donc là il a mis du soin. C'est un nouveau truc que j'ai obtenu, alors je sais pas trop comment ça marche. Ça fait soigner tout le monde qui est autour. Ah oui, je me suis pris un soin, ouais. Ah d'accord, oh, c'est intéressant, c'est très bien, c'est très très bien. Je me prends des soins réguliers si je suis autour de lui, quoi. Oh, il s'en va. On y va, mon gars. Je suis poisson, hein, d'accord. Eh, ça a pas activé le truc. C'est bon. Très sympa le truc de soin alors. C'est-à-dire qu'il soigne de temps en temps autour de lui, quoi. Donc, toujours ça de pris, les petits soins. Ah merde, il est passé par là-bas. Oh, puis il y a un grand Izuchi aussi. On pourrait presque l'utiliser pour tabasser l'Arzuros, quoi. Par contre, on va les récupérer quand même, le philoptère qui est là. Ok, il est à nouveau au sol. Ah merde, le tranchant a diminué. On est tranquillou sur le petit chien. Alors là, attendez, il va charger un petit peu. Brise-casque. Oh, ça a consommé ma jauge, mais il n'est pas parti. Ah, dommage. Et là, cette fois, j'y arrive ou pas? Oui. Il est mort. Bah écoutez, hein, il a bien morflé. Hein. On ramasse tout. Alors moi, il me faut des griffes acérées, là. Donc moi, je pense que c'est l'Arzuros, quoi. Ça me fait penser à l'Arzuros, quoi. Les griffes ont été cassées en tout cas, hein. Je suis content. On ira voir son stuff ce qu'il donne. Une peau d'Arzuros, d'accord. Rien à ramasser dans le coin. Ouh, des minerais! Vite. C'est bon. J'en profite à chaque fois. Ça nous servira toujours un peu plus tard. Non, ça c'est des pouces. Bon, bah voilà. On va aller voir le forgeron. Ouh, griffe acérée. J'en ai deux. Ah bah c'est bon. C'était bien ça, oui, j'ai pensé, je me suis dit griffes acérées, Arzuros, ça me paraît logique, parce que le grand Izuchi, c'est vrai que ses griffes, il les utilise pas vraiment, quoi, c'est plutôt sa queue, lui, qui l'utilise, donc je me suis dit, ça m'étonnerait que ce soit lui, quoi. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir continuer le petit stuff, hein. Ça va faire du bien, un bon petit stuff de grand Izuchi, là, quand même. Quelqu'un veut te parler, d'accord, on va aller voir ça juste après, je l'ai déjà vite fait... Fort le forgeron. Armure. Forgé d'armure. Allez hop. Arzuros. Jamais vaincu. Contre-attaque. Bastion. Diversion. Donc attaque plus 10%. Et défense plus 15% à chaque usage. Deux fois maximum. Hein. Accroît temporairement la puissance d'attaque après avoir subi un renversement. Bastion. Diversion. Donc là ouais, ça m'intéresse pas vraiment. C'est surtout ça qui m'intéresse, quoi.
Maître d'armes, halo de guérison, athlète, c'est quand même pas dégueu quoi. Allez, on continue. J'équipe ça. Bah c'est bon, je pense que je l'ai entièrement là. Bah voilà, je suis parfait là. Voilà, je suis en full grand Izuchi. Affinité 25%. Défense 51, feu 13. C'est cool, hein, je résiste quand même au feu. Moins 2 à l'eau, moins 7 à la foudre. 3 à la glace, 3 au dragon. C'est pas mal. Hein. Si je vais améliorer l'armure. Je pense pas qu'on va l'améliorer parce que c'est pas énorme la défense en plus et je pense qu'on changera de stuff très rapidement. Donc pour l'instant on va pas améliorer ça. Quelqu'un voulait me parler, on a dit, alors je ne sais pas où. On va se balader. Hein. Y'a quoi ici? Rien. Il me reste encore deux quêtes, deux étoiles à terminer avant d'avoir la quête urgente, donc je sais pas ce que ça va être. Mitsuzune peut-être. Ah le blanc. Ah sympa, il m'a redonné d'autres grands philoptères, donc ça c'est bien, ça faut quand même les placer, ça fait des petits raccourcis quoi, c'est sympa. Bon, bah écoutez, voilà, un petit armure de grand Izuchi, en tout cas, très, très, très sympathique. Hein. Quand même, je rappelle, l'équipement que j'avais avant était quand même vraiment pourri. Hein. Défense 1, on est passé à 10 sur chaque pièce. Donc, bon gros up de défense, hein, quand même. Ça fait du bien, j'ai un petit katana plutôt pratique. On va voir si on peut améliorer d'ailleurs. Non, pour l'instant on peut pas. Il y a le stuff Arzuros, mais bon pour l'instant ça m'intéresse pas. En plus il est pas tranchant vert. Plus de dégâts mais pas tranchant vert. Le tranchant vert c'est quand même quelque chose de très important en début de game quand même. Hein. Pour moi le tranchant c'est important. Les gun lances, j'ai pas encore regardé les gun lances, hein. On fera ça plus tard. Tant qu'on n'a pas les talents, on peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi. Quoi. Une gun lance paralysie, écoutez, plutôt pas mal hein, quand même en vrai. Dès le début du jeu, je peux avoir une petite gun lance paralysie. Hein. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà les amis, un petit Arzuros de tuer. Prochaine quête, on va aller affronter un Lagombi, je pense. Un petit Lagombi, ça va être sympa. Dans la zone de neige, donc il faudra des breuvages chauds, mais je pense qu'ils vont en donner dans la petite caisse. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, puis n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter Rise, bien sûr. Allez, c'est le maximum de pouces bleus, comme toujours. Je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée. Ciao, ciao les amis!